Une autre précision technique sur votre déplacement. J'arrête pas de vous dire, mais vous avez tendance à penser que l'endroit, vous allez démarrer d'un endroit, que aussitôt, le plus un que vous faites, c'est votre ligne d'arrivée. Sortez-vous ça de la tête, j'arrête pas de vous le dire. Il faut que vous soyez toujours prêt à repartir, à redémarrer. Toujours en mode marche avant. Si quand ça arrive, vous avez fait ça, ici vous êtes avancé là, et que vous bougez plus du tout après, que vous n'avez plus de déplacement, que vous faites tout sur place, vous allez rencontrer au bout d'un moment un problème. Parce que clairement, sur l'impact, si vous mettez, il va reculer. Et donc, il va vous obliger à le suivre. Sauf à ce qu'il tombe d'un coup. Mais dans la plupart des cas, si nous travaillons ici, hein, sans faire des placements pour rentrer, il va y avoir un impact, hein, qui va faire qu'on va reculer un petit peu. Mais si on ne suit pas, on n'est pas à distance. Son bras, il se retrouve loin. Et puis, c'est plus un coup de genou qu'on peut mettre, c'est un coup de pied qu'on va mettre. Mais si vous êtes habitué à faire systématiquement ça, et bien s'il bouge, et bien vous n'êtes plus dans le timing. Donc quand on est ici, clairement c'est 1. Je suis parti d'ici. Ouais. Ben, je travaille doucement, hein, c'est pour vous montrer. Vous savez, j'ai fait au moins 2-3 déplacements. Donc pensez sur votre déplacement, si quand vous êtes là, vous allez chercher ici en faisant une fente pour moi, c'est pas un déplacement. La jambe, elle doit suivre. Je suis ici. Ma jambe arrière, elle suit. Là, il a reculé encore un peu. Je vais venir chercher ici à l'intérieur. Et après, je reprends ma distance. Et je recule. Je recule et je reprends ma distance. Ce qui vous manque aussi, depuis le début, s'il te plaît. Donc, un, je vais chercher ici. Je suis là. Mais il tourne pas de corps, je le mets là. Et c'est pas très grave que je me focalise là-dessus. Parce que je suis en train de créer une hyper-extension ici. En poussant là. Et hop! Quand même là, et son bras est derrière, il va avoir du mal à revenir. Boum, ici la frappe. Là, ça descend un étage. Et là, regardez quand je suis ici. Si j'ai mis un coup de genou, ma jambe, elle ressort aussitôt. Mon déplacement, si je suis ici, je mets le coup de genou, je ne repose pas ici pour reculer. Je suis ici, je ramène derrière. Et si je suis ici, je mets mon pied, c'est pareil. Mon pied ne retouche pas le sol avant de reculer. C'est 1, il m'emmène derrière. Boum, il m'emmène derrière. Je le fais tout doucement. 1, 2. Si vous voulez juste poser la main, alors je sais que ça c'est un truc que je vous ai dit plus tard pour ceux qui sont là. Si vous voulez juste poser la main, vous vous mettez en opposition par rapport au visage, et c'est très bien, hein, par rapport au bien pouvoir les mains toutes têtes, vous ne pourrez pas prendre forcément de main. Mais vous vous privez d'un contact efficace, c'est. Vous avez dit, on vient saisir le textile. Il y a une capuche, vous allez chercher là, il part par là. Sur la saisie, 1, 2, regardez, moi je vais chercher loin derrière. Souvent vous allez là, mais là vous perdez le contact de votre avant-bras sur son cou. Alors c'est compliqué hein, quand on est débutant, ça fait plein de notions à se rappeler, et c'est pour ça qu'hésitez pas à travailler doucement, à décomposer. Le premier temps c'est 1. Je suis ici. Deuxième temps, je vais venir saisir derrière en poussant le bras. Vous avez vu, je vais chercher loin derrière pour que, hop, c'est mon avant-bras qui fait le mouvement. Et si je suis ici, que je tourne, il descend. J'ai toujours ce petit effet avec le bras. Alors, avec la rapidité, c'est difficile d'aller chercher derrière. C'est pour ça qu'on a un impact. C'est pour ça qu'on avance sur lui. Pour qu'à un moment donné, il sache plus ce qui se passe et que ça vous laisse un temps d'avance pour aller chercher. 1. Je rentre ici derrière. Et je lui ai mis le coup de genou et descendu. Le coup de pied, là, c'est pour plaisir. Là, si je lui démonte la rampe, c'est pour plaisir aussi. Le coup de genou, c'est là. Je suis là. Ici, posé sur l'épaule, ça sert à rien. Si vous allez chercher le t-shirt ici, ça sert à rien. Si vous êtes, vous voulez être efficace, il faut aller chercher un peu plus loin. Vous voyez ici. Là, je tire et bien. Et si je vais là, voilà, ici. Au lieu de venir vers moi, il est passé sur le côté.